Good morgen, allez, Iden, l'étude sur aujourd'hui le Lonishmat, Moïse Rabbi Shmuel ben Shlomo Zalman, Sarah Batrana Rachel, Shlomo ben Esther, Shlomo Nissim ben Sarah, Rosette, Zohara Bat Sultana, ainsi que Dirfuat, Sarah Bat Beti Rivka, Raphaël, Zebulon ben Chaya, Malia, Betor Shachol Israël, si vous souhaitez aussi d'étudier une prochaine étude de Demisha, contactez la 5e minute éternelle. Nous étudions la Sechet Menachot, Perikyud Gimel, Mishnah Gimel, Hare Alay Etzim, Lo Ifrot Mishne Gezirin, Levona, Lo Ifrot Mikometz, Chamisha Kometzin Hen, האומר הרי עליי לבונה, לא יפחות מקומץ. המתנדב מנחה, יביא עמה קומץ לבונה. המעלה את הקומץ בחוץ, חייב. ושני בזיכין טעונין שני קמצים. Bon. Depuis, en fait, la Mishnah, deux Mishnahs précédentes, depuis le début du Pérec, en fait, on parle de celui qui fait un don. Quel est le minimum inclus dans sa parole qu'il engage à apporter? D'accord? Donc, du coup, on est en train de passer tous les corbanotes en revue, et même dans la prochaine Mishnayot, on va passer toutes sortes de nedarim, ou toutes sortes de dons qu'on pourrait faire. On ne précise pas la quantité suffisamment, donc on va déduire qu'est-ce que son langage, qu'est-ce que son expression implique au minimum. Pour rappel, lorsqu'on fait un vœu, il faut avoir l'intention et l'exprimer. Si j'ai une intention sans exprimer, je ne suis pas engagé par mon vœu. Il y a une... D'abord, il faut peut-être mieux le préciser. Lorsqu'on fait un vœu, on dit qu'on va faire quelque chose, qu'on va faire un don, on est engagé par sa parole. D'ailleurs, il faut faire, entre parenthèses, très attention. Si on, une fois on a dit qu'on va donner de l'argent à la tzedaka, eh ben on s'est engagé par sa parole. Ça prend un statut de neder. Il y a une mitzvah tassée et une mitzvah klotassée à une obligation d'accomplir sa parole. Il faut faire très attention. On devient aussi l'oubli neder lorsqu'on dit qu'on va faire quelque chose. D'accord? Ça, c'était pour la parenthèse. J'insiste sur la parenthèse, parce que même on est confronté. Pour vous donner une idée, une fois, il y avait un... Il y avait une orpheline dans le quartier qui a été mariée, qui devait se marier. Ils ont organisé une atrama que chaque personne donne une certaine 50 shekels par mois pendant un an. Comme ça, on peut lui organiser un petit peu d'argent pour payer son mariage, pour l'aider un petit peu à démarrer sa première année. J'avais voulu, je me suis engagé à le faire. Le problème, c'est qu'on m'a dit qu'il fallait que je téléphone. J'ai pris la feuille, je l'ai gardée dans la poche pendant 2 semaines. Chaque fois, je changeais de pantalon, je prenais la feuille, je la remettais jusqu'à un moment, je cherchais un mouchoir, j'ai sorti la feuille, je me suis dit, c'est pas possible, j'ai fait un vœu, c'est grave si j'accomplis pas. Je me suis engagé que j'allais le faire. Bref, pour vous donner une idée, Baruch HaShem, du coup, j'étais en plein occupation, j'ai tout fermé, je suis sorti dehors, j'ai passé un coup de téléphone je crois que c'était le Vahad Arabanim de Tzedaka, et j'ai accompli mon... Il y a une obligation, il faut faire attention quand on parle. Je referme la parenthèse, et puis on commence à mettre en HaShem tout de suite notre Mishnah. Donc, il faut exprimer. Ça ne suffit pas de vouloir, il faut concrètement l'exprimer. De ce fait, on apprend depuis maintenant de Mishnayot, qu'est-ce que sa parole inclut. Et on continue donc, Are alai at etim, celui qui a fait le don, le vœu d'apporter des bois au misbeach, à l'autel. Quand on lit le matin les korbanot, là-bas, on apprend qu'il y avait, tous les matins, on donnait shnei gezire etim, on apportait 2 bûches de bois, on les mettait sur le misbeach, c'était une avoda. Et bien, chaque individuel a aussi la possibilité d'apporter un korban etzim. Ça s'appelle un sacrifice de bois. Comme ça, c'est rapporté dans le livre de Nehemia, il rapporte le Tosfot Yom Tov. Vagorola, t'es pas le nom le korban etzim. On regarde que le Navi s'exprime en appelant les dons de bûches de bois sur le misbéach comme un korban etzim, une offrande de bois. Donc, celui qui a dit qu'il allait apporter des bois, le minimum du pluriel, c'est 2. Donc, Yavi, Shnei Gezirotim. Lo Yifrot Mishnei Gezirin. Il n'apportera pas moins que 2 bûches de bois. S'il veut, il peut dire « je vais faire un don de 1 bûche de bois ». Mais si tu as dit « je vais faire des dons de etzim » au pluriel, dans ce cas-là, tu devras apporter au moins 2 bûches de bois. Levona, tu as fait un don que tu as dit que tu allais apporter juste la levona. Vous rappelez, la levona, c'est l'encens qu'on apporte en général avec chaque mincha. Chaque fois qu'on fait une mincha, il faut mettre dessus de la levona, quand c'est une des 5 minachot classiques des nedavot. Et aussi pour les chem apanim du Shabbat, il y a aussi de la levona. On va l'évoquer dans la fin de la Mishnah. Là, on parle de quelqu'un, par contre, qui a fait un don de lui-même, d'apporter un don que de l'Evona, de cet encens. C'est aussi possible de faire un don pareil. Et dans ce cas-là, lui, il frotte mes comets. Il n'apportera pas moins qu'un comets, qu'une pincée, ce que ça implique. Les 3 doigts, comme ça, ce qu'on appelle le comets, justement, contient. Il y a, en réalité, le volume de 1 kazaït et demi jusqu'à 2 kazaït à l'intérieur de ça, même si concrètement, chez nous, c'est presque impossible à faire. Je ne sais pas comment il faisait, mais en tout cas, dans la Gemara, on remarque que le comets comprenait 1 zaït et demi, voire 2 zaït. Donc en tout cas, il devra apporter un comets entier. Ok? Même si, entre parenthèses, lorsqu'on apporte une mincha qu'il faut mettre dedans de la levona, on avait appris dans plusieurs pratiques en arrière
que ça suffisait même de mettre deux korets chez Levona, deux petites pincées de Levona. Malgré tout, a priori, il faut apporter un komet. De ce fait, lorsque tu fais un don d'apporter que de la Levona, tu dois apporter un komet entier. C'est expliqué tout ça en longuement dans le sociopto ici. Chamishak Matsin Hen. Du coup, tu as évoqué le komet, la pincée. Donc, du coup, la Mishnah, elle continue en me disant Chamishak Matsin Hen. Donc, dans 5 endroits, on a vu qu'il faut apporter un komet de Levona. Haomer Arealai Levona, lui frotte mes komets. Comme ce que l'on vient d'apprendre, celui qui fait un vœu d'apporter un don de Levona, de cet encens, alors il ne devra pas apporter moins qu'un komet. Donc, qu'une pincée. Idem, Hamit Nadev Mincha. Yavi ima komet levona. Celui qui fait un don, un vœu d'apporter une mincha, pas juste la levona, mais d'apporter toute une mincha entière, la solette, la semoule, il devra mettre dedans une quantité d'huile, d'un log, et il devra aussi mettre dedans de la levona, quelle quantité? Un komet de levona. Yavi ima komet levona. Il devra apporter avec elle un komet de levona, a priori. Hama'alet a komet bachutz, chayav, idem encore. Celui qui va, à l'extérieur du Beth Amikdash, faire un don, même pour Hachem, il va construire un petit hôtel dans sa cour, il va prendre un komets de Levona, il va le faire griller dessus, il sera Chayav Karet. Il y a un interdit, bien sûr, de Mahalé Bachout, on n'a pas le droit de faire un korban à l'extérieur du Beth Amikdash. Eh bien, pour être Chayav, passible du korban, il faut porter un korban significatif, important, que l'on trouve en parallèle à l'intérieur du Beth Amikdash, si tu as fait la sept même chose à l'extérieur, c'est-à-dire... Si j'ai pris, par exemple, un tout petit peu de semoule et que j'ai fait monter sur un hôtel à l'extérieur du Misbéar, à l'extérieur du Beth Amikdash, je ne serais pas Chayav Karet. Pourquoi? Parce qu'un petit peu de semoule, ça n'a pas de sens. C'est pas un korban que l'on apporte. Si toutefois, il y avait un komet ou même un kazaït du komet, là, c'est déjà quelque chose d'important. Alors là, on sera Chayav à l'extérieur du Beth Amikdash. Idem pour la Levona. Puisque... La quantité requise à l'intérieur du Beth Amikdash, c'est d'apporter un komets à l'intérieur du Beth Amikdash. Si tu as apporté un komets, une pincée de Levona, tu l'as fait brûler sur l'autel, tu seras, il sera Chayav Karet. D'accord? On rapporte Tosatium Tov et le Tifra d'Israël rapporte que même en réalité, même un kazaït du komets, ça suffit. Mais bon, d'accord, on s'arrête là pour le moment sur ce détail-là. Amalet à komets Bachus Chayav, c'est ce qu'on vient d'apprendre. Donc Ma'aleh, c'est l'interdit de Ma'aleh Bachutz, c'est l'expression utilisée par la Torah. On apprenait ça à la fin de Zvachim. Longuement, celui qui fait monter un korban à l'extérieur du Beth Amikdash. Ou Shnei Bazichin Teunin Shnei Kmatzin, et encore les deux autres, on avait dit qu'il y avait 5 comètes. Dans 5 endroits, on a trouvé la mesure d'un comète. Il en manque 2, on en a vu 3 pour le moment. Aralai Levona, Mitnadev Mincha, Ma'aleh Ta Kometz Bachutz, il en manque 2. Les deux, c'est quoi? C'est les Shnei Bazichin Teunin Shnei Kmatzin. Les deux Bazichin, c'est les deux cuillères qu'il y avait dans le Lechem Apanim. La Avodah du Lechem Apanim, les 12 pains du Shabbat, on avait appris, qu'il y avait, à part les 12 pains qui étaient mangés par les Kohanim, il y avait là-bas aussi deux cuillères, deux sortes de cônes, je crois pas que c'était une cuillère avec une poignée, je crois que c'était juste comme un petit verre qui contenait donc de la Levona. Pour chaque série de 6 pains, il y en avait un, soit qui était posé au milieu, soit qui était posé au-dessus des pains. Et ça, il fallait les prendre le Shabbat, et les faire brûler sur le Mizbeach. Lorsqu'on retirait les 12 pains, on les changeait, il fallait prendre ça avait le statut du comète, en l'occurrence, de l'échantillon des 12 pains qu'on apportait sur le Mizbeach, tandis que le reste était consommé par les Kohanim. Eh bien, donc, quelle était la quantité de Levona qu'il y avait dans chacun des verres de ces cuillères? Eh bien, il y avait de nouveau un comète, c'est un comète dans chaque endroit. Donc c'est Ushne Bazichin, et les deux cuillères des 12 pains, Teunin Shnek Matzin, requièrent en tout 2 comètes. 2 pincées de Levona. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Hatzlacha Kol Tov.